Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Charles Boniface, ici et comme toujours, là sur encore un autre programme, un format un peu différent, comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, un tuto un peu pour tuto de son, sur un peu vraiment les bases, les bases même, pour quelqu'un qui n'aurait jamais joué de guitare, qui a peur de se démotiver assez vite, ce qui arrive assez souvent, même si ça a déjà été le cas, mais que vous voulez quand même réessayer, c'est bien d'ailleurs. Alors des bases assez, ça pourra pas paraître bête au début, mais c'est vraiment essentiel, je trouve, pour ça, beaucoup plus que des tutos pour apprendre une musique précise, ce qui est bien, mais au final vous allez savoir jouer une musique et encore pas forcément très bien, et il n'y a rien d'autre. Donc il n'y a pas un grand intérêt pour cette première partie. Ça sert vraiment à utiliser la guitare. Il y aura plusieurs parties pour pas que ça soit non plus des vidéos qui durent trop longtemps non plus. Donc premièrement, bon, là vous allez pouvoir choisir la case que vous voulez. Donc c'est vraiment en mode vulgarisation aujourd'hui, pour les puristes, voilà. Vulgarisation, voilà, pour quelqu'un qui a peut-être jamais porté une guitare. Voilà. De bien se mettre au milieu d'une case, avec ses doigts, voilà. Bien au milieu, bien appuyé. Au début, c'est toujours mieux de vraiment être... limite le pouce au milieu du manche derrière, pour que ce soit plus simple. Après vous vous mettez comme vous êtes à l'aise. Il y en a qui vont vouloir se mettre dans des positions comme vous êtes à l'aise. Le principal c'est que ça sonne bien après. Le reste on s'en fout. Parce que sinon ce serait comme ça, machin. Voilà, voilà. Pour ceux qui regardent, qui ont été en école de musique, ils connaissent. Donc bien au milieu, bien appuyé, mais pas avec le doigt cassé, comme on appelle, hein, bien droit, hein, qui pend bien, et bien plâtre ou doigt, peu importe. Là justement, ça va travailler les deux mains. En fait, il y aura une descente et une montée, forcément. Bien prendre le temps et ça fait ça, comme ça. Pareil sur le retour. Ça peut paraître simple, ça peut paraître bête, mais beaucoup au début on se plantait là-dessus, juste à bien faire sonner, et aussi à force, une fois que c'est bon, vous prenez le temps et faites-le de plus en plus vite. Ça va aider aussi à ne pas, comme ça peut arriver au début, de se tromper entre les cordes, de jouer une corde alors que c'était pas la bonne, voilà, ce qui arrive assez souvent aussi. Donc déjà juste ça, et après on va pouvoir passer aux exercices suivants. Et petite chose, c'est bien, même si il faut vraiment que ça sonne bien. Là les cordes sont un peu usées, hein. Ça sonne, ça sonne bien, clair. Et si ça sonne pas vraiment bien, ça fait quelque chose comme ça, enfin, j'arrive pas à mal le faire, mais un truc ça, de recommencer, jusque quand ça c'est bon, et faire de plus en plus rapide. Et au plus rapide vous serez, au plus pour les prochains exercices, ça va être top. Et après, deuxième exercice, et on va finir sur celui-là. Avant le prochain épisode, hein, voilà. C'est tout simple, vous faites ça, toujours la montée et la descente, mais en ajoutant un doigt en plus. Et bien, et pas, non. Et voilà, toujours pareil. Voilà.
poteau, je fais l'inverse. Après, peu importe, d'un côté ou de l'autre, c'est mieux de faire l'inverse. Au moins, ça apprend le posage de doigts. C'est peut-être pas très français, mais c'est pas grave. Et l'enlevage de doigts. Voilà. Et ça, pareil, de plus en plus vite. Et quand vous avez réussi à le faire, vous pouvez ajouter un troisième, toujours en gardant, hein, on ne triche pas. Un troisième, et si vous arrivez, un quatrième. Après, le quatrième, ça se travaille aussi, hein. C'est souvent très compliqué pour certaines personnes, mais ça se travaille, et à force, on y arrive quand même. Et forcément, c'est... Voilà. Là, en faisant ces... Oui, c'est quatre exercices en tout. Là déjà, si vous arrivez à tout faire sonner correctement et à une bonne vitesse, là déjà, vous aurez fait un grand pas pour, d'une part, pouvoir savoir improviser un peu plus facilement, ou en tout cas au moins que ça sonne quoi. Et après aussi, pour la suite, pour les prochains épisodes, ça suivra aussi. Ça ira aussi, ouais, tout le monde ça, ouais. Voilà. Donc moi je vous laisse sur ces quatre exercices-là à bien travailler. Dites en commentaire si vous avez réussi, si il y a des questions, s'il faut être plus précis, si je sais pas, s'il y a des suggestions pour les prochaines vidéos. Et aussi, je sais pas, vos retours si vous êtes quelqu'un qui a déjà essayé mais qui s'est démotivé ou je sais pas. Voilà. Dites un peu en commentaire vos situations et ce que vous avez pensé des exercices. Et moi, en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Il y aura un épisode par semaine. Jusque quand on aura fini, hein, ça va aller assez vite. Hein. En soi, en faisant comme ça, vous allez aller beaucoup plus vite après pour savoir en jouer. Normalement. Après, chacun son rythme. C'est pas parce que vous mettez une semaine ou deux à savoir faire ça que vous êtes nul. Au tout début, j'ai mis très longtemps à vraiment savoir jouer. Voilà, j'ai pas arrêté. Le tout, c'est de continuer. Tout simplement. Mais normalement, en commençant vraiment petit à petit comme ça, au début, on prend son temps. Hein. On prend vraiment son temps. Bon, allez, à la prochaine. Ciao, ciao!